YouTube, bienvenue sur Total Rome Remastered. On est au quatrième épisode de la campagne courte avec la Germanie. On avait réussi à exploser les DAS au dernier épisode. On a tenu bon à plusieurs reprises en Belgique et en Germanie supérieure contre les Gaulois et les Bretons. Et là, on est en train d'enfoncer progressivement les sites. Ils ont encore des généraux en réserve, hein, mais globalement, ça se travaille quoi. Allez, là, l'héritier est là, il est en route. Donc là, ce que je vais tenter, je vais juste les tenir ici. Je vais juste sortir vite fait de mes unités de... Hop, comme ça. Et nous, on va aller chercher cette armée. Hop. Donc on est parti. Salut à tous, salut YouTube. Hop, je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Là, on va continuer notre campagne, on va s'occuper de ces hacheurs, essayer de les rendre fous. Alors, où sont-ils ? Voilà, on va les massacrer comme ça. Tournez bien votre dos, c'est ça que je demande. Voilà. C'est pas un style très germain, mais ça passe. Pourquoi vous êtes... Bon. J'ai jamais dit à l'armée de sortir, hein. J'ai juste dit... Il y a eu... Je sais pas ce qui s'est passé, bref. Ouais, les retours des Britons, bravo. Ça sort d'où ça? Bon. On va se poser trop de questions. Aïe. Ils arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Je vais juste sauvegarder, voir ce que ça donne en auto. Bon, ça va, on les a explosés. On va aller chercher Tanaïs. Voilà. Et là, on fait la fête. Je vais former un autre piquet là. Voilà, c'est pas mal. Et lui, on va l'envoyer vers le campus Alani qui est à l'autre bout du monde. Ok, d'accord, défaite serrée. Bon, on va être prudent. Le jeu qui me fait comprendre que bah faut pas trop se presser quoi. En fait, ceux qui vont être chiants, c'est leur tireur. Hein. Il y a encore une armée qui se pointe. Alors, je vois un peu la force de des sites, hein, ce qui reste. Là, les sites sont très en dessous de nous. Salut, Sir Madness. Ah, ouais, la cave, elle a décidé de friser.
Ah, merci à toi, Sir Manet, de l'avoir dit parce que je l'avais pas vu. En ce moment, elle fait les siennes, je sais pas ce qu'elle a, bref. Il y a mon modérateur, il va se prendre des petites fesses. Ah, mais oui, je suis très concentré aussi, Sir Mad. Donc là, je suis en train de terminer ma compète sur Home Remastered. Je joue la Germanie, donc les tribus suèves et tout ça. Je suis attaqué par-ci par-là, mais globalement, je m'accroche. Donc là, on est en train de tenir ici en Belgique contre les Britons et tout. Ils se rassemblent en masse à chaque fois. Bon, c'est bien, ça me fait de la visite. Le tourisme, tout ça, tout ça. Alors là, l'idée. Il y a quoi encore? Les deux unités qui traînent. Bon, tu sais quoi? Je vais envoyer mon général et toute ma cavalerie déboîter ce qui reste là. Merci. Je vais rajouter deux piquets. Je vais laisser le hoplite ici. Sapera, c'est un connard. Ouais, il attaque Siparia. J'ai pas. Ouais, il attaque partout, c'est vrai. Alors toi, tu vas vite te mettre en route par là. Donc l'armée, elle est là, on l'a vu. Hein. Je crois que je vais m'emparer de la ville comme ça. Hein. À l'assaut, j'ai deux béliers, je pense que ça doit suffire. Donc là, c'est un général encore. Ce qui va me faire peur, c'est leurs deux archers, mais le reste, c'est globalement, je gère le truc. Logiquement, j'ai deux béliers. Là, mon but, ça va être de prendre leur capitale et de foncer tout de suite à l'autre bout du monde. J'essaie de regrouper quelques armées pour mettre bien quoi. Alors, allez, go. C'est quoi ça qui nous envoie? Des hachures en première ligne, ok. Alors. Allez, on va foncer dans le tas de nos cavaleries. Voilà, ça c'est fait. C'est quoi ça? Allez, go. C'est de l'archer, ça meurt vite. Abattez leurs archers d'élite, fais ça. Ah, c'est le chef de faction là, faut aller le chercher lui. Ah ouais, vous êtes sérieux là? Quelle indignité des cavaliers. Oh, attends, on va peut-être avoir un des généraux. Ouais, on l'a eu, bien joué. Allez, faites-moi en des lasagnes, merci. Voilà. Alors, ici, ça meurt ou pas? C'est des lanciers ou quoi? Voilà, ça c'est réglé. Il nous reste encore leur chef de guerre ici. Bon, on va se mettre en route, là il reste quoi?
Voilà. Qu'il boive un coup avec ses ancêtres en assistant à la déroute de cette ville. Si peu. Ah, pourquoi pas, écoute, Mad, je vais essayer d'y jeter un œil à l'occasion. Tu sais, attirer ma curiosité. Là, après, je vais bientôt me mettre sur Battle Browser. Je ferai encore une autre campagne sur Rome Remastered. Et après, je refais une petite pause et je partirai un peu sur Battle Bro, tu vois. Là, sur Rome Remastered, je compte faire toutes les campagnes du jeu de base. J'en ai fait. Là, c'est ma 11e sur la 19 en courte. Bon, bah écoute, on va fêter ça. Hein. Alors, j'ai 4 piquiers. Je vais recruter 2 autres lampes là. Bon, déjà par là, on va réparer les murs. Là, on va réparer aussi. On va essayer de former des armées assez fortes pour aller chercher ce qui nous reste là-bas. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Évidemment, lui, il te sort une armée, tu sais pas d'où, mais il te la sort. Qu'est-ce que tu veux, le trace? Non, 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 non. Un nouveau général? Je prends, il est où? Il est là-bas, ok. Bon, alors, toi, tu vas vite dégager de mon territoire avant que je me mette en colère. Merci. Alors je vais partir, je vais laisser quoi en réserve? Le hacheur. Voilà. J'ai pas beaucoup de cavalerie ici, c'est un peu embêtant. Les javelots, j'en ai pas besoin. Par contre, là, vous, oui. On va se mettre en route. Ce qui est chiant, c'est que les steps, il y a beaucoup de trucs. Hein. Puissions-nous parler de manière raisonnable? Bon, lui, il aime bien faire des cessez-le-feu. Bon, on va essayer de le taxer en pognon. Très bien. Parfait. Encore un autre général. Ah, est-ce qu'il m'attaque toujours pour l'instant, non. Par contre, je vais faire deux hacheurs en renfort là-bas. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais renforcer là. Je vais mettre des garnisons à l'est. Est-ce que je peux recruter des mercos? Ouais, toi, viens. Bon, déjà, je vais embarquer ça. Comme ça, on aura 12 unités ici. On aura une grosse armée. Et je pense que ça devrait être suffisant pour en finir avec les sites une fois pour toutes. Bon, déjà, je vais faire 2 piquets en renfort. Et des haches. Ah, ça continue de venir. Quelle audace. Encore un commandant, punaise, on va les collectionner. Hein. Pire que les Pokémon. Pressez-vous. Notre passion. Si nous pouvions nous entretenir vas-y, en privé, eh bien, ça dégage. Si vous le présentez de cette manière. Notre espion est mort. Bon, il a vu quoi en garnison? 3 unités, bon, ça va. Ok, les Gaulois qui se pointent encore. Faut juste tenir le temps qu'on.
Parfait. Au revoir. Donc là, ça commence à urger un peu la campagne. Allez, grouille. Ok. Bon. On continue. On ne cédera pas un pouce de terrain aux Gaulois, ni aux Britons. Ouais. Je commence à comprendre pourquoi le Brexit y est arrivé. Non, je rigole. Bien. Allez, on ressort la technique au schnapps. Détachement de piquier. Courez. Allez, allez. Allez, allez. Évidemment, on va pas mettre notre capitaine ici. Là, le but, c'est de faire une unité compacte, hein, comme d'hab. On a vu que ça a passé. Allez, laissez-les venir. Donc, on les laisse en mode garde, bien sûr. Les tours vont bosser un peu aussi. Déjà une trentaine d'hommes en moins, c'est toujours ça de pris. Et là, ça y est, ça va être les hordes qui vont déferler, bah, barbares contre barbares. Repoussons-le sous peine de le voir massacrer notre peuple. L'ennemi a fait céder nos murs. Redoublons d'énergie pour le combattre. Bon, même les toutous, ça passe pas, y a rien qui passe. Le mur, c'est après The Wall of Sparta, je vous présente The Wall of Germania, ou The Wall of Wooden, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie germaine. Il fait quoi leur général? Il se paluche? Ah, ça y est, il se pointe enfin. Le général ennemi fuit devant vos guerriers. Attaquez! Faites-leur tous suivre le même chemin! Bon, ils sont buggés, on va les laisser venir petit à petit. Hein. J'essaie de les provoquer pour qu'ils se bougent. Parfait. Allez, go. On envoie les hacheurs en mode poursuite. Ouais, littéralement. Allez, ça moissonne. Allez, c'est des épées, ça doit mourir. Hein. Aussi. Dépêchez-vous.
C'est ça, Moment. Allez. Deux tiers de l'armée wipée. Un mur de pique quasiment increvable. Que demande le peuple? Encore un général, punaise. Je pourrais avoir un autre Sarmat plus tard, tu me diras. Je vais commencer à monter un peu les taxes où je peux. Par là, j'ai personne, tu me diras. Ok, ils sont repartis. Je vais prendre la cavalerie de mêlée supplémentaire. Ah, ils sont emparés. Bon, c'est pas grave. On va accepter la prise de Samobriva. De toute façon, on a les villes. Bon, on a 17 régions. Une fois qu'on aura pris la dernière ville au Malécite, on sera à 18. On va pas trop traîner non plus. Elle aura bien tenu la ville. Au revoir. Général, détruisez-les! En position de siège. Communauté assiégée. Non. Général. Alors, je vais tester. Est-ce que ça passerait? Ok, non, ça passe pas. Très bien. Et en plus, on perdrait toute l'armée, donc ça, on va éviter. En vrai, l'IA, elle a changé de stratégie au moment où j'avais réussi mon coup, quoi. Bon, bah, on va laisser moi mourir. Allez. On nous assiège. Ah, ils vont m'attaquer là, ok. En vrai, là, le mur va tenir, je pense. Faut juste que je répare derrière ce qu'il faut, quoi. Allez, le mur. The wall. Au pas de course. Piqué. Au pas de course. Unité. Dépêchez-vous. Allez. Pris nos murs. Repoussons-le sous peine. Même les Kyrénoles barbares n'est pas pressé. Ouais, en plus le capitaine qui meurt. Unité! Unité! L'armée ennemie s'enfuit! Pourchassez-les! Abattez les épices d'élite là. Unité! À l'attaque! Bon, ce régiment-là, il est pas prêt de revenir. La victoire.
On a perdu un soldat. Bon, il y a encore combien de généraux là, ça... Parce que c'est bien, on en a des généraux. Hein. Bon, on va continuer d'attendre, on va les laisser encore s'affaiblir. Il nous reste 5 tours à tenir. Alors déjà on fait ça, tac tac. On répare le mur. Allez, je vais faire un petit bosker, hein. Quoique je vais plus avoir beaucoup d'argent si je fais ça. Voilà. Ok, ça continue. Hein. Ils veulent pas nous lâcher les gogos. Hein. Alors, ils étaient 568, là ils sont plus que 532. Allez, ça continue. Ils veulent pas nous lâcher. Hein. Ils veulent nous empêcher de perdre, de gagner, pardon. Encore un. ...468, hein. Je vais le tenter, on verra. Voilà. En plus, on fait la step kit pour détruire le pont, et là, on fait ça. Ouais. Grâce à vous, la victoire a souri aux Germains. Les brutes d'As et les cavaliers fanatiques de City sont morts ou réduits en esclavage. Et les Germains ont conquis de nouvelles terres. Continuez à jouer. Oui. La City, elle est battue. Donc ça fait plutôt plaisir. Ça nous fait un bel empire. Bon, on était sous la pression des Gaulois, donc au début, j'aurais pu essayer de m'allier avec eux, peut-être pour me faciliter les choses. Donc voilà, on a une belle campagne. Je suis plutôt satisfait, perso. Donc voilà, j'espère que la campagne avec les Germains vous a plu. Donc on a réussi à faire notre victoire courte. Le plus dur, c'est de tenir contre les Gaulois et les Britons. Donc les Britons, ils ont été malins, ils nous ont pu attaquer. Et ils ont récupéré Samobrival, la Belgique. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu quand même. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.